l'internet, j'espère que vous êtes tous malades comme moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on est sur iFaction Z et aujourd'hui pourquoi du comment que le serveur est fermé depuis quelques temps. Donc aujourd'hui les amis, je voulais vous parler au fond de qu'est-ce qui est arrivé sur iFaction Z, pourquoi il y a un reset, etc. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment important. Et puis si vous voulez savoir la date de réouverture, je vais le dire à la fin de la vidéo aussi. Donc les amis, pourquoi la machine a en fond décidé de crash, c'est parce que c'est de ma faute en fait. Je vous explique du début. Donc en gros, quand on stocke des fichiers, on a stocké, donc on avait le TS, le site et puis le serveur Minecraft ici et plus le hub sur la machine. Et puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on faisait aussi les sauvegardes dessus. Donc qu'est-ce qui est arrivé à ça, c'est que toutes les sauvegardes de tous les autres jours étaient trop grosses et puis ça ne donnait plus de place pour enregistrer les fichiers du serveur Faction où ce que je suis en ce moment. Donc ça l'a fait que quand moi j'ai redémarré le serveur, en fait le serveur s'est stoppé tout seul parce que ben il y avait plus de crash quoi. Et puis quand moi je l'ai redémarré, ben ça l'a supprimé toutes les factions puis tout plein de fichiers random aléatoires dans le fond, si je pourrais dire ça. Je sais pas si c'est vraiment aléatoire, que tout simplement ça aurait plus vous expliquer mieux que ça, mais je sais que c'est de ma faute quand j'ai redémarré dans le fond que j'ai endommagé la machine. Et puis voilà, donc je suis un peu attardé mental, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y avait des bugs de duplication, il y avait plein de bugs, etc. Et je sais que il y aura plein de gens qui vont pas revenir. Et je suis conscient de ça, je veux dire, je comprends très 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 bien que vous allez pas nécessairement revenir automatiquement. Enfin, vous allez certainement pas revenir parce que, ben, j'ai fait des erreurs, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, je m'attends pas à ce qu'on soit autant qu'on était, mais c'est sûr que ça va me faire énormément plaisir de voir les quelques gens entre vous. Comme je dis, je suis vraiment vraiment désolé, c'était pas voulu, c'était pas prévu non plus. Du moins pas maintenant, et j'ai vraiment fait une grosse connerie. Je suis vraiment désolé. Si on a reset la map dans le fond à la version juste avant que le serveur ouvre, on avait fait une genre de sauvegarde et puis on a repris cette sauvegarde là, donc toute la map a été refait, ou du moins elle est remis comme était. Je me sens vraiment fucking mal de faire cette vidéo là les amis, parce que je sais que c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. Enfin, je sais pas quoi dire. Enfin, je suis vraiment vraiment désolé. Je sais qu'il y en a plein, va sûrement avoir 1 million de dislikes comme la 90% de mes dernières vidéos qui ont tout plein de dislikes. Je sais pas qu'est-ce que je vous ai fait, mais bon, j'essaie de recommencer les vidéos une fois par tous les jours. Puis je me fais incendier dernièrement, ça c'est vraiment cool, j'apprécie énormément d'ailleurs. Et puis moi ouais, c'est ça, donc c'est les serveurs vont reset, la rouverture va être bientôt, il y aura tous les problèmes corrigés, donc la Lucky Box, la E-Cube et tous les autres problèmes qu'il y avait vont être corrigés. Inquiétez-vous pas, j'ai fait une sauvegarde du fichier de permission, donc ça devrait être pas si mal. Je crois que ça devrait être bon pour rembourser tout le monde, il y aura pas de problème. Si vous avez des problèmes de remboursement, vous allez juste dans le TeamSpeak problème remboursement ou remboursement tout simplement, et moi Blackbird, Keshox et les autres fondateurs, ou administrateurs excusez-moi, on va vous rembourser les trucs que vous avez achetés sur la V1 et aussi les trucs qui avaient commencé à être remboursés pour la V2. Donc voilà, vraiment désolé, c'est vraiment... Putain, je sais pas comment vous m'excuser, genre, assez. Je sais qu'il y a un kit remboursement, il y aura aussi un kit 2016 vu qu'il avait été déjà mis en place. Ils sont encore là, kit 2016, pour encore une semaine. Ça, vous allez pouvoir le faire une fois tous les semaines, en gros, pendant tout le mois de janvier. Le reste du mois de janvier, plutôt. Aussi, donc, il y aura quoi de nouveau? Ben, pas grand-chose, à part que le site devrait être terminé. So, comme le site est disponible à iFactionZ.net, alors que vous voyez ça, est encore prêt, il va être prêt dans la journée de l'ouverture. Donc nous on ouvre le samedi 9 janvier, il va sortir dans la journée, genre le 9 janvier à minuit ça va être ouvert le serveur, vous allez pouvoir venir jouer ou quoi que ce soit. Non je rigole. Vous avez cru qu'à minuit vous allez pouvoir venir jouer, bande de petits coquins. Non. Ça va être sûrement, ouais, ben pourquoi pas minuit, ouais, on va le faire à minuit, why not. Ou sinon non, minuit c'est ben trop tard, right. On va juste l'ouvrir les amis, normalement, comme normalement, 15-16h, là, en France, et puis voilà. J'espère que ça va vous faire plaisir les amis, j'espère que vous allez venir en grand nombre, j'espère que, sincèrement, comme j'ai dit, je sais qu'on va pas retaper sûrement les 400 joueurs comme on avait fait avant. C'est sûr que c'est un peu de ma faute, ben, c'est complètement de ma faute, je suis conscient de ça, puis ben voilà quoi. Donc, je suis vraiment encore désolé qu'il y ait un reset les amis, c'était pas prévu. Il y aura un kit remboursement. Items pour être remboursé, vous allez aussi ben, pouvoir avoir vos kits, vos grades, etc. Et la boutique va pas être sur le site tant et aussi longtemps que le serveur va pas fonctionner correctement, il va arrêter d'avoir de problèmes, parce que je vais pas vous proposer une boutique et puis vous dépenser pour un serveur qui est pas de qualité à mes yeux. Et puis ça c'est vraiment vraiment important. So c'est tout ce que j'avais à dire, je crois.
En gros, vous pouvez encore accéder au serveur comme d'habitude, les amis. En gros, vous allez sur la boussole, vous allez ici avoir, dans le fond... Et pour les gens qui ont des serveurs, vous savez, vous faites genre ça, max online, et puis là, vous mettez des petits points, le nom de votre serveur, par exemple. Ben, ça, c'est ça qui est là, en gros. Je sais pas comment vous expliquer différemment. C'est le record de connecté, en fait. Ensuite, joueur connecté, 3. Ça, c'est le joueur total de connecté sur tout le network, donc 3 personnes. Ensuite, vous avez le nouveau jump, le truc du jump qui a été rapproché pour que vous puissiez voir qu'il y a un jump par là. Là, ici, pour l'instant, ça va être d'autres serveurs, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien parce que il n'y a aucun serveur. On veut se concentrer sur un serveur. Puis voilà, comme j'ai dit, les factions compétitives est là, le nombre de joueurs qui est reconnecté ici, ben là vous allez rejoindre les exactement joueurs connectés. Donc voilà, vous allez pouvoir vous connecter bientôt les amis, ce sera pas bien long, c'est encore quelques heures j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, d'ailleurs je voulais juste faire un message à tous les gens qui m'ont pas manqué de respect, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont manqué de respect pendant que je faisais mon live ou que je tournais des vidéos dernièrement. Ouais Kunz, occupe-toi de ton serveur, blablabla. Les amis, je veux dire, moi ce que je m'occupe sur le serveur, ok, c'est de faire la publicité, amener des youtubeurs, faire des vidéos, des trucs comme ça, gérer les finances et tout. Or, les problèmes qu'il y avait avec la machine, certes c'est de ma faute parce que j'ai essayé de vous redémarrer le serveur pour que vous puissiez jouer quand tout le monde me spammait, et c'est ce que j'ai fait. Et regardez ce que ça l'a donné, ça a fait un bug. Peu importe, j'ai fait de la merde, et puis ça l'a fait que tout le monde paye. Sur les amis, arrêtez tout le temps, genre, oh, vous énervez tout après moi, genre, comme ça, genre. Genre j'essaie de faire de mon mieux le plus possible, j'apprends de mes erreurs et puis j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de vous tenir un serveur correctement. Et puis en ce moment j'ai fait 0 sous avec ce serveur là les amis, du moins la V2, j'ai fait 0 sous et ça m'en a coûté juste pour les machines et tout directement de ma carte de crédit. Si vous voulez je vous mettrai les screens dans la description de mes relevés bancaires, enfin j'ai rien reçu moi. Donc les gens qui disent ouais écoute si tu fais serveur pour la thune blabla, ouais gros serveur pour la thune mon pote, y a... Si je voudrais vraiment faire ça de la thune, j'aurais une boutique et puis je m'en foutrais, right? Ben là, c'est pas le cas. Et puis, j'aimerais vraiment que les gens qui disent ça, ben que vous compreniez que si j'étais là pour faire de l'argent, ben c'est pas la meilleure façon, disons, Minecraft. Certes, il y a plein d'argent, il y a plein de serveurs qui font plein d'argent, mais genre, comment vous expliquer? Ouais, je sais pas vous expliquer ça, mais bon. Oh, puis après aussi, ah oui, aussi, les gens qui disent, ouais, écoute, tu t'enlèves à Terre CSGO et c'est de la bombe, frère. L'argent des factions et tout, ouais, c'est tout, blablabla, et tous ces trucs là. Non. J'ai fait des paris, et puis si vous voulez, je vais vous mettre les screens aussi dans les commentaires. Et je trouve ça quand même pitoyable que je dois justifier à chaque fois que je fais quelque chose, mais bon. J'ai gagné beaucoup de bets sur des sites de gambling. Si vous savez pas c'est quoi des sites de gambling, en fait, c'est que vous mettez de l'argent en jeu, des skins en jeu qui est équivalent à de l'argent, et quand vous gagnez, ben vous gagnez tout le pot complètement, ou simplement, ben voilà, c'est ça. Je vais vous mettre les screens dans la description parce que je sais qu'il y en a qui vont pas me croire et tout, mais bon. C'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Dans le fond, tous les bugs vont être corrigés et la boutique devrait sortir aussitôt que le serveur va être en place et qu'il n'y aura pas aucun problème. On a déjà généré la map, il n'y aura pas aucun problème en ce moment, elle est en train de se générer. Et comme vous voyez, il n'y a aucun lag. Ben là, vous me direz, il n'y a aucun lag, normal. Mais bon, voilà, la map est en train de se générer. Ouais, je sais pas, là, elle est en train de se... Quand vous allez arriver, la map va être déjà générée. Et puis voilà, il nous reste juste des bugs à corriger comme la Lucky Box, l'iCube et puis certains autres plugins. Et puis c'est tout les amis. C'est autre chose que j'avais à vous dire, non? Si vous voulez les amis, vous venez me suivre sur Twitter, je vous invite à me suivre. Si vous voulez, vous avez hâte qu'il réouvre et que vous allez être présent, ben faites juste me laisser un pouce bleu sur la vidéo. Moi ça va me dire à peu près combien de joueurs qui aura de connectés. C'est bon, je sais, je m'attends peut-être à 100 de connectés, mais bon, à 100 connectés, mais bon, on verra bien qu'est-ce qui arrivera les amis. Encore énervé. Et si vous revenez pas sur le serveur, ben je suis vraiment content que vous ayez au moins essayé mon projet une fois et j'ai fait de la merde. Et puis je suis vraiment désolé de vous avoir déçu. C'était un compte, bonne fin de soirée. Bisous!